Hello tout le monde! Bienvenue à mon premier vlog de week-end! Premier vlog tout court, premier vlog de week-end! C'est excitant! Un mot! Je viens de me rendre compte que c'est assez rare que vous voyez ma chambre comme ça. C'est que majoritairement, elle est en bordel. C'est rare que je vous la montre, mais là, je pense que hein, dans les vlogs, je me suis promis d'être un petit peu plus exclusive. Alors, un moment, on monte la chambre! Et là, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fin de semaine, on a une retraite virtuelle pour toutes les coaches de notre organisation. Je fais partie de celles qui organisent cet événement-là. Et là, aujourd'hui, on est vendredi. Donc, ce soir, c'est l'événement d'ouverture. Et j'ai dit aux filles qu'on allait se mettre cutie cutie. Là, en ce moment, j'ai les cheveux séchés à l'air, comme toutes défaites. Je suis pas maquillée. Et je vous montre vraiment la madame coach à son naturel. Mais la madame coach va aller se préparer. Parce que quand on lui dit de se mettre cutie, elle est tout le temps celle qui exagère le plus. Alors là, je m'en vais me préparer, puis je vous montre le résultat final plus tard. Parce que là, en ce moment, je suis en petite robe en molleton avec des bas blancs. Il y a du travail à faire. Actuellement, je suis vraiment pas dans la plus belle lumière, mais je suis dans notre chambre d'amis. Tadam! Que j'aime beaucoup. Mais j'ai tout le temps me préparer ici, en fait, pour être tout le temps. J'ai pas. Je sais pas, on dirait que j'ai pas assez de place dans ma salle de bain, mais c'est aussi parce que dans la commode de la chambre d'amis, je cache mon séchoir Dyson et tous mes accessoires là, pour les cheveux, mes extensions et tout ça. Donc là, j'y vais all-in. Je vais me préparer les cheveux. Je vais me maquiller aussi. Je vous amène avec moi! By the way, c'est vraiment pas un gros maquillage que je me fais aujourd'hui, là, full de base. Puis, clairement, là, dans le fond, je me mets genre du fond de teint, un peu de poudre bronzante là, pour venir faire un peu de contouring, that's it, avec du cache-cerne. Puis, je me suis mis un petit peu dans de la paupière, genre rose là, sur les yeux, mais genre pas de dégradé, vraiment juste du petit rose pâle. Puis là, je mets mon mascara, puis il va me rester juste le rouge à lèvres. De venir me mettre devant la fenêtre pour un meilleur éclairage. Là. On dirait qu'en tout, on voyait vraiment mal. Bref, je vous montre mon rouge à lèvres. Mon but aujourd'hui n'est pas de vous montrer tout mon maquillage. Là, peut-être une autre fois, là, si ça vous intéresse, même si je suis loin d'être une pro en maquillage. Ce rouge à lèvres-là, je le mets comme pour rire à tous les jours. Puis à tous les jours, quelqu'un me dit « C'est quoi ton rouge à lèvres? » Donc, je vous le dis, c'est le 978 de L'Oréal. Le 978 All Out Pout qui s'appelle, je vais vous le mettre dans la description. Je jamais voulu le retrouver, mais il y a vraiment une belle teinte. Là. Je l'aime tellement, c'est genre... mon préf de toute la vie. Donc, je suis rendue à l'étape de mettre mes extensions. Je les ai toutes préparées ici. Donc, j'ai les extensions à clip 2.0 de chez Self Extensions. Je les aime vraiment beaucoup pour vrai. Moi, j'ai trois, je mets trois étages. J'avais une quatrième étage, si on veut. Mais je les mets pas, je la mets pas celle-là parce que honnêtement, j'en ressens pas le besoin. J'ai pas les cheveux hyper épais. Puis ça faisait comme très lourd et peut-être moins, je sais pas, ça faisait comme trop long, il aurait fallu que je les fasse couper et tout, mais j'ai pas eu à les couper honnêtement là finalement, donc je suis vraiment contente. Fait que je vous montre un peu comment je fais là, c'est vraiment simple. Je vais friser mes cheveux, tu sais, comme là vous voyez, ils sont pas placés, fait que je mets mes rallonges, je crêpe toujours un peu à la racine pour que ça tienne mieux aussi avec la clip, puis une fois que c'est installé, ben là je vais venir refriser, parce qu'ils sont déjà un peu vagués, je vais venir refriser minimalement en incluant mes cheveux dedans. Ça c'est un fer de l'ange gardien, l'ange gardien. Pas bon tout ça! C'est l'ange ondulé, donc c'est celle de la marque. Puis je l'avais acheté Winners, HomeSense, je me souviens plus. C'est un, je pense, 32 mm. Ça se peut-tu? Ça le dit-tu là-dessus? Non, ça le dit pas, mais je suis pas mal sûre que c'est ça.
En passant, ma technique pour friser mes cheveux, c'est toujours vers l'extérieur. Donc, puis je laisse toujours un petit bout dépasser comme ça. Puis, j'y vais au feeling, là. Je touche mes cheveux, là, honnêtement, il faut faire attention à ne pas se brûler. Il existe un gant quand tu achètes ça, mais moi, je trouve que ça manipule moins bien. Donc, j'y vais comme ça, une dizaine de secondes environ par mèche. Tantôt, je vous ai dit que j'avais trois parties, mais j'en avais une moyenne, une au milieu qui est vraiment plus longue, elle vient jusqu'ici, donc plus de clips. Puis la dernière, en fait, elle se met en deux étapes, donc ici et ici. J'essaie de les mettre pas trop hautes, le conseil, parce que celles qui ont les cheveux fins comme moi, ben ça peut, à un moment donné, si tes cheveux se séparent, tu finis par voir les clips, c'est pas ça que tu veux. Donc, c'est un pourquoi je viens crêper à la racine. Ça donne du volume aussi. Ça permet au rallonge de ne pas essayer de ressortir au travers de mes cheveux. Mais pour vrai, j'essaie vraiment de les coller avec l'autre. Regarde, l'autre est ici. Fait que je vais mettre juste une petite séparation entre les deux. Ça va être parfait comme ça. Une fois que c'est frisé et que ça a l'air des petits boudins comme ça, on attend que ça refroidisse. Après ça, je vais venir brosser doucement. On peut juste passer nos doigts, mais moi j'aime ça brosser comme ça. Et ensuite, je mets un petit peu de spray net. Let's do it, oui. Beaucoup vont me trouver intense parce que c'est vraiment une robe avec une mini traîne, là, sérieusement. Mais ça, je ne le savais pas quand je l'ai achetée. Mais je la trouve vraiment belle. Elle est genre en petit velours, un vieux rose. Elle est magnifique. Je vais vous mettre le lien si elle est encore disponible, sinon juste le lien du site web. C'est sûr que c'est... je suis pas mal sûre que c'est US, mais je la trouve vraiment belle. Puis c'est ça pour les petits photoshoots ou des événements, si on peut un jour recommencer à avoir des événements. Allô, Maurice! Allô, Maurice? Allô? As-tu beau, toi? Ah oui! Tu veux montrer aux amis comment tu es beau? Oh, on s'étire. Oh, des beaux bisous. Je t'aime. Pour l'appel de ce soir, on a suggéré aux filles trois idées de drink qu'elles vont pouvoir se faire, virgin ou non. Moi, ça va être avec de l'alcool. J'ai choisi le deuxième, le cocktail 2, le melon lime avec du gin. Je me lance à l'instant. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis le genre de personne qui, quand je fais une recette, c'est soit que je la suis pas pantoute, ou sinon je la suis à la lettre. Comme là, je suis vraiment en train de mesurer une tasse de melon d'eau. Ah, Seigneur! Mais bon, ça fait des bonnes recettes. Puis après ça, ben, on prend... plus on le fait, plus on s'en souvient aussi. Donc, voilà. OK. Un jus de lime. Du sucre. Avec ma chaudière de sucre. Et on ajoute le gin. Je savais pas qu'on avait ce gin-là chez nous. D'après moi, c'est quelqu'un avant la pandémie qui a oublié ça ici. Donc, mon chum me dit qu'un once, c'est juste « schlick ». On va voir. La touche finale, j'ai mis du petit sucre. Je vais venir mettre une petite lime sur le bord comme ça. On verse. Oh my god! C'est comme une slutch. Ok, je l'ai full bien réussi, là. Yeah! Je me suis mis une petite paille. Trouvez-vous que c'est cute?
Je me pratique pour cet été, là, mais d'avoir des drinks à faire. Wow! Ok. Wow, faut prendre une photo, là. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis debout depuis 5h40, je sais plus. Je me suis réveillée avec un gros mal de ventre, genre dans le haut du ventre. Aucune idée c'est quoi. Peut-être les petites bouchées qui contenaient de l'ail, ça m'étonnerait pas. Et là, je suis vraiment heureuse parce que je le sais qu'il annonce soleil aujourd'hui, puis je pense même demain. Ça va être un beau week-end. Je suis tellement pas une fille qui se lève à cette heure-là d'habitude le week-end. En fait, même la semaine, là, je me lève dans les 6h30 environ. Puis je suis vraiment une grande dormeuse. J'aime vraiment ça dormir. Mon sommeil, pour moi, c'est super important. Puis c'est ça. Donc, ce matin, c'est vraiment parce que j'avais mal au ventre que je me suis comme réveillée. Puis que je m'endormais plus vraiment. Mais je me suis aussi couchée pas très tard. Donc, ça explique un peu là, pourquoi je suis debout à cette heure-là. Je me suis fait un petit café. Puisque tantôt, on a un entraînement de gang à 8h45, je veux boire mon jus de licorne juste avant, fait que je me suis dit de ne pas exagérer dans le café non plus, là. Puisque c'est quand même rapproché. Puis le jus de licorne, by the way, pour celles qui ne savent pas c'est quoi, c'est un pré-workout, dans le fond, naturel. Puis c'est ça, moi, mon préféré, c'est le punch aux fruits, il y en a au citron, bien mélangé. Ça donne plein d'énergie, beaucoup d'endurance, ça enlève la fatigue, en tout cas, ça la diminue de beaucoup. Puis voilà, c'est ça. Fait que tantôt, on va s'entraîner ensemble, via Zoom, évidemment, parce qu'on peut pas se voir. Je me sens ralentie là, pendant que je vous parle en ce moment. Je suis pas encore réveillée, Seigneur Dieu, pas facile le matin. Il y a quelque chose que je voulais vous dire, j'ai oublié. Mais bon samedi. Bon matin. Bon matin, non? Il fait tellement beau dehors! Fait que là, j'ai décidé d'aller installer mes coussins sur mon sectionnel pour aller passer du temps aujourd'hui à l'extérieur dans mes pauses de conférences. Peut-être même écouter les conférences directement sur mon cell de dehors. Donc, je suis contente! On s'en va bientôt s'entraîner, fait qu'on va se connecter ensemble pour boire notre Julicorne en gang. Julicorne, c'est vraiment le nom que j'ai donné parce que je dis que c'est mon petit jus magique. Donc moi, c'est celui au punch aux fruits. On mélange, c'est tellement bon, gang. Vraiment. Puis là, je me suis fait une petite toast. Je vais me faire une petite toast beurre d'arachide naturel et banane. C'est tout le temps ça que je mange avant mes workouts pratiquement. J'adore ça. Puis en même temps, ben, c'est comme juste assez pour pas avoir mal au cœur pendant que tu t'entraînes. Puis je finis, si on veut, de déjeuner avec mon smoothie de super aliment juste après. C'est ça! Pour vrai, donc il nous reste une seule conférence. En ce moment, là, je suis excitée, là. Je sais pas que c'est ça l'effet que ça me fait, moi, d'écouter des conférences, de la formation. Je suis comme tout le temps, j'adore apprendre. Donc, honnêtement, c'est ce que le coaching m'a permis de faire, d'être comme en constante évolution, d'être tout le temps comme un peu en formation, en apprentissage, puis ça me fait grandir. Tu sais, j'ai dit ça dans mes stories tantôt, mais j'ai vraiment l'impression que faire de la formation continue, puis de
autant personnel que professionnel, ben je suis comme, c'est comme de mettre de l'engrais pour que tes plantes poussent plus vite. Honnêtement, c'est ça, puis qu'elles poussent mieux, puis que bref, comprenez. Donc c'est comme l'image que j'ai. Fait que là, je me fais mon dîner avant de retourner, et puis je fais mon traditionnel dîner rapide que j'adore, un wrap aux œufs avec de la laitue, du fromage et tout ça. Donc deux œufs dans la poêle brouillée avec du fromage que j'ajoute. Puis dans mon wrap, je mets de la mayonnaise. Je suis une fan finie de mayo. Quand il n'y a pas de mayo chez nous, je vis de l'anxiété. Il y a des gens qui c'est le ketchup. Moi, c'est la mayonnaise puis la margarine. Vous voyez, genre, un peu bizarre. Mais bon, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont comme moi. Et je mets de la laitue Boston. C'est-tu beau pareil, de la laitue Boston? Sérieux, il n'y a rien de plus beau, plus frais que de la laitue Boston, je trouve. Mon chum puis moi, on est comme tout émerveillés par la salade, la laitue Boston. Je sais pas pourquoi. Alors là, c'est ça. Puis des fois, j'ajoute de la sriracha, des fois de la salsa. Puis même quand je mets de la salsa, je mets aussi du yogourt grec nature. Un petit peu, genre des petits bouts de yogourt grec dans mon wrap. Ça fait vraiment genre comme si c'était de la crème sure. Bref, c'est tellement bon. Mais aujourd'hui, ça va être vraiment simple. Fait que je me lance. Tu veux-tu qu'on aille dehors tantôt? Hein? Ça va être le fun. On va prendre du soleil. On va aller se faire bronzer dehors. Je t'aime. Oh, t'es gentille. T'es tranquille aujourd'hui, toi. Hein? Toute seule avec maman. Ce soir, on fait une petite soirée. Ok, binous en famille. Là, ce que vous devez savoir, c'est que quand un de nous deux va au dépanneur, un rapporte toujours une surprise à l'autre, puis je parle comme si j'y allais souvent, mais c'est parce que je suis allée cette semaine, mais sinon, c'est toujours Nico. Toujours Nico qui va au dep, puis qui ramène des surprises. Puis aujourd'hui, il a ramené une crunchy, puis une Snickers. Puis nous, ce qu'on aime, c'est qu'on coupe des petits bouts, puis on mange comme si c'était une dégustation de barre de chocolat. Peut-être je te dirais laquelle. Moi, définitivement elle. On est déjà rendu dimanche, dernière journée de ce vlog. Premier vlog. Je suis pas contente, honnêtement. J'aime pas ça. J'ai hâte de vous le partager. Vous me donnez vos impressions, vos commentaires, des suggestions. T'sais, abonnez-vous aussi à mon compte, à ma page YouTube, finalement. Puis même activer la petite cloche qui se trouve juste en bas à droite. Là, vous allez pouvoir recevoir des notifications lors de nouvelles vidéos. Et puis, c'est ça. Donc, ce matin, à 9h, j'étais assise déjà ici, encore en pyjama, pour faire mon atelier de visualisation avec les coachs de l'équipe qui sont à la retraite ce week-end avec nous. Et là, on est encore en formation. J'ai eu le temps d'aller prendre ma douche vite. J'ai pas encore séché mes cheveux. Mais voilà, donc je me suis habillée ce matin. Un petit genre de petit haut qui est nouveau. Là, je peux vous mettre aussi le lien dans la description. Et ma petite jupe préférée du Zara, malheureusement, elle n'est plus sur le site actuellement. Si ça revient, vous pouvez être certaine que je vais vous le dire parce que c'est genre la jupe la plus confortable que j'ai dans ma garde-robe. Je la porterai à tous les jours. Alors voilà. Donc, ben c'est ça. Je pense pas que mon contenu va être full excitant aujourd'hui parce que après ça, je vais aller profiter de l'extérieur. Il fait full beau avec Nico. Puis ce soir, ça va être vraiment relax. Je vais d'ailleurs préparer la publication de cette vidéo-là juste pour vous. C'est difficile pour la personne de vraiment faire un travail sur elle-même puis aller dans tout ça. Fait que moi, je m'encourage à parler de mindset puis aussi à... J'en reviens pas mes cheveux. Tu sais, quand je disais que je ne frise pas là, dans la vie, ça, c'est juste parce que j'ai eu les cheveux en toc toute l'après-midi. On a passé vraiment beaucoup de temps dehors. Ils sont encore humides en arrière. Genre, mes cheveux, ils ne sèchent pas. C'est l'enfer. Fait que ça, c'est pas des cheveux frisés, c'est des cheveux en mouton. OK? Dans 10 minutes, ils vont être tout... Donc, c'est ça. C'est comme ça que je termine mon vlog, mon premier vlog de week-end. Merci tellement d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo-là. Je suis comme... super excitée honnêtement d'officiellement, je peux dire ça de même, d'officiellement lancer ma chaîne YouTube. Puis je le fais vraiment par plaisir, puis parce que j'ai envie de rendre un petit peu ces vidéos-là un petit peu plus exclusives, de partager des choses que j'ai peut-être pas la chance de partager dans les stories ou en post sur Instagram. Donc merci beaucoup beaucoup, puis n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up si jamais ça vous a plu. Bye!